Alors, là normalement je suis dans le point. Avant de commencer le sketch, je voulais juste vous dire qu'on est 15 000 de plus qu'il y a un mois. Et c'est ouf pour moi parce que vous m'écrivez et je vous réponds et on rigole. Et j'ai l'impression que vous percevez un peu ce que j'ai envie de faire. Et ça m'encourage vraiment à faire des vidéos, donc merci beaucoup. Sur ma chaîne, je vais faire plein de formats différents. Je vais faire beaucoup de musique, vous allez me voir dans le rap game. Il va y avoir des sketchs, des podcasts, peut-être même du vlog. Mais surtout, il va y avoir plein d'expérimentations. Et là j'avais envie de faire un petit truc un peu différent avec un personnage. Là c'était Noël et il y avait des jouets absolument partout. Je me suis demandé, mais où est Barbie? Et à mon avis, Barbie, elle est chez le psy. Mais est-ce que vous avez essayé de rencontrer quelqu'un? Oui, je me suis mise sur Tinder. Mais les gens pensent que je suis en fake. Je suis pas en fake! Vous savez, j'ai 57 ans. C'est difficile de rencontrer quelqu'un. Je ne bois rien, je ne mange rien, je n'avale rien en fait. Anorexie? Non, c'est juste que je ne peux pas aller aux toilettes. Constipation? Pas du tout, je n'ai juste pas d'anus. D'anus? D'anus. Ah. Parlez-moi de votre père. Ma paire de boobs? Non, votre père. Ah, ma paire de fesses. Ça remonte à mon premier jour d'école primaire. Je cherchais un endroit où m'asseoir et j'ai vu un concombre. Tout le monde envie mon corps. Mais vous savez ce que c'est que d'avoir des mains comme ça? Quand j'applaudis au spectacle, j'ai l'air de ça. Mais en gros, vous vous sentez bonne à rien. Ah non, je suis une bonne Ariane. Bonne à rien? Non, Ariane, blonde aux yeux bleus, comme dans le roman d'Hitler. Avec Ken, il ne se passe plus rien au lit. Je crois qu'il ne me désire plus. Peut-être est-ce dû au fait que vous n'avez pas d'organe génital. Mais vous savez, il y a d'autres moyens de prendre du plaisir, hein, les caresses... Je n'ai pas de tétons. J'avoue, c'est chaud. Docteur, je n'en peux plus. Je pense vraiment que je vais avaler des cachetons. Ah bah non. Vous ne pouvez rien avaler, ni déféquer, pas possible, du coup. Alors, je vais appuyer sur la gâchette. Impossible aussi, parce que vous pouvez pas articuler vos... Je me couperai les veines. Mais comment vous allez tenir un couteau avec vos mains, là, c'est pas possible. Je vais me pendre. Et allez, comment on fait le nœud? Sauter du quatrième étage. Vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, vous êtes condamné. Mais enfin, mon Dieu, vous m'emmerdez. Oui. Explosez la cervelle. Mais non, mais c'est mort, enfin c'est mort. Voilà, pleurez, laissez sortir, voilà. Bon, je crois qu'on a bien avancé. Bon, ça fera 100 euros, s'il vous plaît. Ah, ça va mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, ou à mettre un petit pouce bleu. Qui va vers le plafond? Voilà, c'était cool. À la semaine prochaine, merci beaucoup.